La toi ouvrez tout ouvert! Salut! M'appelle Marteau, Marteau Napoli! Tu me vois pas, ça doit pas. Ok, un peu de lumière. Si tu look rapido, est-ce que tu penses qu'il me voit? Oui. Ah oh, oui, ok. Oui. Marteau, Marteau Napoli, live en direct. On n'était même pas dans Some Fire parce que je suis sous. Non, pas chaud, mais allumé. Là. On est dans la nouvelle Nissan Versa. Grâce à de Steve et Simon de chez AubinAuto.com à Saint-Nicolas. Ce que j'ai à vous dire. Bon, premièrement, merci à tout le monde. Merci aussi de me faire confiance. Je sais que je suis pas parfait. Je sais que je souffre de calvitie aussi. Le broadcast d'asseoir, j'ai pas les chiffres encore exacts. Amtil me disait que sur le channel Excel, avant que ça finisse, on était déjà plus de 2100 personnes à être sur mon Ustream. Le channel n'est pas fait pour ça. C'était ben trop de monde. Je sais que ça a lagué. Je sais que le son n'était pas tout le temps parfait. Okay? Après ça, avec le marteau vision, avec l'Android, j'étais sur le Wi-Fi de la cage au sport. On était 400 en place. Je sais que tout le monde essayait d'envoyer des photos Instagram ou de checker les photos de Paulina Gretzky sur Instagram. Fait que c'était pas 100% top-notch. C'était pas comme Jean-Paul Chartrand à TVA Sport. Là. Je sais, c'était pas comme ça. C'était pas parfait. OK? Je vais m'améliorer là-dessus sur les YouStream. Je sais qu'il y a un potentiel incroyable. Alors que je visais même pas 1000 personnes, 2100 personnes. C'est pas le chiffre final, plus la marteau vision. C'est pas, on va être 3-4 000 là-dessus. T'sais. Moi, je le vois comme un succès différent. On va l'avoir vécu ensemble. Tu vois, la soirée, avec l'enragé, c'est bon vieux Colosse, Bob Bissonnette, on parlait des Aces d'Oakland. Puis le 5 juin, ça va être vraiment une soirée à retenir. Le 5 juin, Bob Bissonnette à 4h. Dans le 4h11, il va être avec nous autres en studio, dans radiopirate.com. On va chiller, on va faire des tunes. Après ça, je donne mon piano à Ron Francis. Il faut aller le plugger au Stade municipal de Québec. Pourquoi? Parce qu'avec Bob Marteau et Bob Bissonnette, on va faire le 5 à 7 pour José Canseco. Ça, c'est officiel parce que les Tornadoes s'en viennent à Québec le 5, 6, 7 juin. Donc, mardi le 5 juin, Bob en studio. Après ça, on se garoche côté du Stade municipal, les hot dogs. Tout le temps des abeilles aussi pendant le 5 à 7. Moi, je suis tout le temps prêt à me garocher de l'épipène dans le cul pour me sauver. Fait que le 5 juin, on va être là pour le 5 à 7 à José Canseco. En soirée, humblement, j'ai une conférence sur les Twitter à faire à l'université. Après ça, ça veut dire que le 8 juin, José Canseco est à mon party de fête avec Bourbonnais, Offspring, l'hommage. On rajoute Johnny Cash, June Carter. Le 8 juin, au bar Saint-Joseph, c'est capoté, là. Et j'ai plus 18 ans, là. C'est 33. 33 ans. Tout comme Marc nous disait, j'ai l'âge à Jésus, 33 ans. Mais là, c'est plus Marc. Hey, aujourd'hui, c'est une journée spéciale. Aujourd'hui, c'est une journée spéciale, quoi? Oui, c'est l'anniversaire du décès à June Carter. L'anniversaire du décès à June Carter. Les hasards sont rares, boys and girls. Fait que 5 juin, un gros show avec Bob en studio. Le 5 à 7. On va vous gosser de quoi avec hot dog tout inclus, la bière, toute la patente pour retrouver au stade municipal. José Canseco avec sa pratique au bâton pendant qu'on va jouer du blink. José Canseco, une pratique au bâton, puis on va jouer du blink le 5 juin. Après ça, je vais pour ma conférence Twitter à l'Université. Puis le 8 juin, ça va être ma fête au bar Saint-Joseph. Fait que merci à tout le monde d'avoir trippé sur les YouStream. Partagez, faites de quoi. Le marteau vision va revenir encore plus intense à un moment donné. Et la question finale, mais où était ce soir dans la région de Québec, où était Danny Hull? Où était Danny Hull? Où était la fierté et toute la grâce et le talent de Danny Hull? Salut soldat!